Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de l'événement reconstruction du quartier de Fortnite saison 3 chapitre 3. Donc les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h et le premier défi va vous demander de voter pour les projets de construction dans le quartier en échange de lingots d'or. Donc pour réaliser le premier défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre à Tinted Tower. Et là, vous allez voir qu'il y a des bâtiments qui sont détruits depuis le début de la saison. Et en fait, chaque bâtiment, donc là, regardez, près de chaque bâtiment, il y a un emplacement où il y a une pancarte où vous allez pouvoir voter pour le prochain bâtiment que vous voulez voir apparaître à Tinted Tower. Donc bien entendu, ça vous coûtera des lingots d'or. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer l'entièreté du défi, c'est de, parce qu'en fait c'est des défis à étapes, donc vous allez devoir réaliser plusieurs étapes jusqu'à dépenser 900 lingots d'or pour chaque bâtiment, enfin je crois que pour chaque bâtiment, mais c'est pas sûr. Donc regardez, il y a un vote ici, il y a un vote là-bas, voilà. Et il y a un troisième tableau de vote qui est juste ici. Donc au total, vous avez trois tableaux de vote. Alors je ne sais pas s'il faut user 900 lingots d'or pour chaque tableau de vote ou si c'est 900 lingots d'or au total. De toute façon, vous le verrez bien quand le défi sera disponible. Vous arrivez ici, vous venez juste ici, vous essayez de voter avec les tableaux de vote. Donc je pense qu'il n'y en aura qu'un seul de disponible. À la première semaine, je pense que les trois ne seront pas disponibles d'un coup. Donc, je pense que ce sera celui-ci, le premier qui sera disponible. Donc, vous venez ici, vous regardez si le tableau est disponible. S'il ne l'est pas, ben, vous allez voir le deuxième qui est juste ici. Et s'il ne l'est pas, ben, vous allez regarder le troisième. Ensuite, ben, vous votez pour le bâtiment que vous voulez voir arriver sur Fortnite dans la ville de Tinted Tower. Et normalement, dès que vous aurez usé 900 lingots d'or, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de survivre aux phases de la tempête pendant l'événement rebâtir le quartier. Donc l'événement que je suis en train de vous présenter. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement lancer des parties en solo, duo, section ou trio, voire même fort d'empoigne, je pense que ça peut fonctionner. Donc vous lancez une partie tout simplement. Et là, ce que vous allez faire, c'est devoir survivre aux phases de la tempête. Donc là, on peut voir que je suis à la tempête 1 sur 9. Donc j'ai déjà survécu à une tempête. Ou alors c'est celle qui va arriver, je pense. Ouais, c'est plutôt celle qui va arriver. Donc dans 2 minutes et 53 secondes, la tempête va faire le rond blanc que vous voyez juste ici. Donc moi, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement me diriger dans le rond blanc et survivre à la tempête. Donc il faut savoir que c'est un défi à étapes également. Donc il va falloir survivre à 5 tempêtes. Ensuite, il va falloir survivre à 15 tempêtes, puis à 25 tempêtes, puis à 35 tempêtes et pour finir à 50 tempêtes. Donc dès que vous aurez survécu à un total de 50 tempêtes, bah là vous aurez terminé le défi complet et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le troisième et dernier défi va vous demander d'éliminer des joueurs pendant l'événement reconstruire le bloc. Donc tout simplement pendant l'événement actuel qui sortira à 15h. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement d'éliminer des adversaires. Donc, vous cherchez des adversaires en solo, duo, trio, section, même foire d'empoigne, je pense que ça peut fonctionner aussi. Ensuite, quand vous trouvez des adversaires, ben, vous les éliminez pour compléter le défi. Alors, c'est un défi à étapes également. Donc, ça veut dire que vous allez devoir éliminer plusieurs adversaires. Donc, le premier défi va vous demander d'éliminer... Attendez, je l'élimine. Le premier défi, la première étape va vous demander d'éliminer 5 adversaires, ensuite 15 adversaires, 30 adversaires, 50 adversaires et puis pour finir 80 adversaires. Donc n'hésitez pas à essayer d'éliminer des loups parce que ça peut fonctionner. Je sais que parfois les loups fonctionnent et regardez, réussir des tirs dans la tête contre des adversaires, ça a bien fonctionné contre le loup. Donc n'hésitez pas à tuer des loups si vous en voyez au passage parce que je pense que ça peut être comptabilisé comme adversaire. Et dès que vous aurez éliminer 80 adversaires au total en solo, duo, section, trio, voire même foire d'empoigne. Quand vous aurez terminé
Et quand vous aurez éliminé 80 adversaires, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez toutes les récompenses. Donc là, les récompenses pour l'événement reconstruire le bloc, c'est une traînée de fumée, une pioche et un sac à dos. Donc voilà, je vous les affiche tous les trois à l'écran. Donc quand vous aurez terminé 12 défis, donc 14 défis, 12 ou 14 défis de l'événement reconstruire le quartier, rebâtir le quartier, ben là vous aurez terminé tous les défis et vous débloquerez toutes les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère que ce guide complet vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh.